Allez, salut tout le monde, c'est Azuric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 14, les amis, de notre aventure 100% sur Paper Mario The Origami King. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. C'est au niveau de l'épisode précédent. On était dans la tour Belvédère, dans lequel on a effectué bien la première partie. L'ascenseur est malheureusement tombé en panne. Donc, du coup, nous devons monter les escaliers. Mais il y avait un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gros trous à reboucher. On n'a pas assez de confetti. Donc, pour pouvoir monter, il fallait faire autre chose en même temps. Et on avait terminé le rez-de-chaussée, le premier étage. Donc du coup il nous manque, je pense, je sais pas si vous le voyez, il y a trois étages au total, le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième et le troisième. Il nous manque du coup que deux étages à faire. Et du coup logiquement aujourd'hui on fait ces deux derniers étages, sachant que en termes de collectibles, je peux vous montrer ce qu'il reste. Il reste pas grand chose en temps de sauver. La petite sonde de cloche, c'est pas réactivé une fois. On a trouvé le. Il y avait qu'un seul bloc. D'ailleurs, il est dans cette pièce. Vous voyez, il est frappé. Et il nous manque un mini-trésor, mais je pense qu'on va pouvoir l'acheter. Parce que on a sauvé un des toads qui va permettre simplement de vendre des objets. Donc j'imagine que. Il va y avoir le mini trésor à vendre. Et on a rebouché 67% des trous, sachant qu'on en a rebouché seulement 2. Donc j'imagine que lui c'est le dernier. Donc on va pouvoir enfin compléter tout correctement. Et on va parler d'abord au cuistot, parce que lui il va permettre simplement nous dédommager au niveau des confettis, pour pouvoir du coup monter en continuer l'ascension tout simplement dans cette fameuse tour Belvédère. Je n'attends plus le critique de leur pas sur le sol, à moins qu'il ait appris à voler. Ça veut dire que le problème est réglé. Ou sauver. Pour te remercier, voilà tes confettis franchement découpés pour ton plus grand plaisir. Merci. Par contre, est-ce qu'il y a une sécurité? Dans le sens, est-ce que si on l'active plusieurs fois, il y a un moyen de pas se bloquer définitivement? Parce que honnêtement, je suis en train de savoir si est-ce qu'on peut, il y a moyen de soft lock ou une connerie comme ça. Oh là là. On n'en aura jamais assez, les gens. Ah si. Ouah, trop rebouché. Exactement, regardez. 100% des trous rebouchés. Donc du coup, il nous manque juste simplement le mini trésor et quelques toads. 2 ou 3, à mon avis. Donc, écoutez, on va se rendre au dernier étage. Enfin, l'avant-dernier étage. Et nous voilà, du coup, à cet étage-là. Sachant qu'on peut, du coup, aller là. Mais avant d'aller là, d'abord, avant d'aller au centre, là où le jeu nous demande d'aller, nous, on va contourner. Sachant que vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, c'est une grosse référence à Super Mario Bros. Les briques et tout ça. Donc, c'est très comique. Ça fait rien du tout. Bah, mon cul, tu vois, ça fait rien du tout. Ah, peut-être, du coup, un Toad sera là plus tard. Ou un mini trésor, on sait pas. Donc là il y a un petit cœur, sachant que la cloche n'a pas ressonné. Donc du coup, c'est pour ça que je pense que le trou il n'est pas là par hasard. À mon avis le trou, il y aura quelque chose, mais il faudra compléter le niveau pour la première fois, cette fameuse tour Belvédère. Et du coup écoutez, on va pousser. D'accord. Tu auras beau pousser autant que tu veux, j'ai bien peur que ça ne fasse, que ça ne serve à rien. Comment on va atteindre le sommet si on ne peut pas entrer? Et météorite. Oh non, les. Ah oui. Oui, encore. C'est quoi hein, ce machin? Oh putain. Oh, aïe. Ah bah oui, ça fait mal. Il fait tout le tour, j'imagine. Ah, d'où le. Ouh, attention. D'où le fait. Vite, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait pas les. Voilà, il faut les envoyer. Il faut être assez réactif. Oh putain. Ça va être chaud. Oh là là, ça va être chaud. Faut pas bouger, faut être en centre. Mais j'appuie. Et oh, c'est quoi cette blague? J'appuie. Eh, mais c'est de l'acharnement, ma parole. Aux abris, vite. Oh oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage. Oh merde. Oh oh. Eh, oui, vers le trou, c'est ça qu'il faut faire? Regardez, le trou est là. Ouh, attention. Et voilà. Et regardez, du coup, là, on est aux abris. C'est ça? Logiquement. Alors là, il y a des petits blocs, mais pas des blocs point d'interrogation. Pour le moment, on n'a pas trouvé la toad, mais je pensais que la toad allait être là-bas, mais finalement, pas d'autre toad à l'horizon. Et pas le truc qui. Dling. Donc, du coup, là, pour le moment, le toad est un petit peu en. C'est un petit peu mis en péril. J'essaie de frapper de partout, mais. C'est pas gagné. Ok, d'accord. Vous pensez qu'il faut tous les.
tous les ouvrir aussi. Ah non, vu que là c'est fermé. On va tous les fermer, après on va tous les ouvrir. Là ça va débloquer un petit truc. Ok. Donc on va tous les ouvrir du coup. Y'a pas là d'avoir d'ordre ni rien, donc on va tous les ouvrir. Et ça fait rien du tout. Ok. Donc l'ascenseur, ok, du deuxième étage. Mario, l'ascenseur est cassé. Et on va pouvoir activer du coup l'échelle d'urgence, tout simplement, pour pouvoir monter tout en haut. Bon, pour le moment, on n'a pas trouvé le dernier toad, malheureusement. Allez! Et du coup, ah, d'accord, effectivement. Effectivement, c'est la merde. Bon, ils viennent quand, là? Allez, l'échelle, descend. Mais on peut pas tricher? Aïe, 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 aïe. Ah non, on peut pas tricher, effectivement. On peut pas se mettre là. Oh là là, aïe, 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 bah oui. Ah, mais attendez, mais de plus en plus. Non, oh, vas-y, on se protège. On remet, on remet. Oh, j'ai trouvé l'astuce, on remet. Oui, on a trouvé l'astuce, les gens. On a trouvé l'astuce. On a trouvé la putain d'astuce, allez, vite, on grimpe. Ah, d'accord. Allez, 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 allez. Mais dites pas qu'on... Ça, ils vont nous viser aussi. Oula, 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 oula. C'est quoi ce truc de ouf? Ah, le dernier étage. Troisième. Ouh, avec un truc à faire. Oh, il y a un toad à sauver. Je sais pas où, mais il y a un toad à sauver. Il y a un toad à sauver. Ok, ça sonne. Donc, il est pas... Il est là. Ah bah, c'était un toad. C'était en forme de crayon, d'ailleurs. Pfiou, j'ai vraiment cru qu'ils allaient me jeter à la poubelle avant tout le reste, avec tout le reste. Merci. Ces crayons sont littéralement tombés du ciel. Tu y crois, toi? Ces crayons sont littéralement tombés du ciel. Tu y crois, toi? Oui, d'accord. Du coup, j'imagine qu'il manque... Oui, vu le pourcentage, il nous en manque un dernier. Donc, du coup, ben là, les amis, déjà, on va sauvegarder. Mais, à mon avis, le dernier, je sais pas où il est. Le dernier, je sais pas où il est. Est-ce que ça ressonne? Ça a pas l'air de ressonner, hein. C'est assez mystérieux parce que ça ne ressonne plus. Sachant qu'on tape, hein. On tape. Oh oui, oh oui. Alors là, c'est la jouissance absolue, je prends. Je prends, je prends. Bon, ça a l'air de pas. Ça a pas l'air de ressonner. J'essaie de frapper tout ce que je peux trouver. Le crayon aussi bleu. Bon, les crayons, on peut pas les frapper en hauteur. Donc il nous en manque vraiment un de Toad. Et ça pas de Liling, donc peut-être ça sera après. Après, ou peut-être c'est vraiment tout en haut. Peut-être ça va sonner quelque part par là, par exemple. Non, même pas, il n'y a pas l'air. J'essaie de regarder, mais on dirait pas. Donc vu qu'il y a un bloc de sauvegarde, j'imagine que c'est le boss. Ici. Le serpentin rouge. Alors peut-être le Toad est là, du coup. Peut-être, on sait pas. Voilà le bout du serpentin, et mon frère a posé sa griffe dessus. Tu arriveras peut-être à le détacher en le frappant par... En dessous, ça ne coûte rien d'essayer en tout cas. Mais avant de faire ça, je veux juste voir s'il y a le toad. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? On a un serpentin géant détaché, je te signale. Oh, du calme, oh, doucement. Oh putain, elle est chiante. Bon, bah écoutez, voilà. Tu as peut-être besoin de quelque chose pour t'aider à sauter plus haut. Oh oh. Oh, c'était magnifique. C'était magnifique. Elle a sauvé Mario, Olivia. C'est vraiment pas passé loin cette fois. Ils sont vraiment en kikinant ces bâtons. C'est des crayons. Vous avez toujours pas compris le message. Il faut vraiment que je vous fasse un dessin. Taillez-vous. C'est quoi ces références? C'est quoi ces trucs? C'est quoi ce jeu de mots? Et oui, au cas où, regardez, on croirait un PC, mais non, c'est bien. Le coloriste balistique, boîte de crayons. Oui, c'est un boss. Je commence à en avoir plus que marre de vous gommiez tout mon travail, que vous gommiez tout mon travail. Est-ce que vous saviez au moins qui je suis? Vous savez quoi? Ne répondez pas. Une bande de sauvages telle que vous n'en avez forcément aucune idée. Sachez donc que je me nomme Comrule Aimé. Yes, Oscar Nicolas. Yes. Yes, Oscar Nicolas, d'accord. Simon de couleur. 12e du nom, et j'insiste sur la particule. Je suis le plus protégé, le serpentin. Je suis là pour protéger... C'est dur avec ça. Je suis daltonien, ça ne marche pas. Je suis là pour protéger le serpentin. Alors, pas touche, si vous ne vouliez pas que je vous en fasse voir de toutes les couleurs. Non, on n'avait pas besoin de ces jeux de mots. On n'avait pas besoin de taille, crayon, gommier, mais non ça. On n'avait pas besoin.
On n'y a pas besoin. Comme lui, mais yes, Oscar, Nicolas, c'est Eman. C'est pas un peu compliqué pour une simple boîte de crayons? Bref, j'imagine que c'est mon frère qui vous envoie rien pour vous embêter, pas vrai? Vous faites le malin parce que vous êtes hyper doué en dessin, mais vous connaissez pas Mario. C'est lui le plus fort. Il va vous rabattre votre cahier, caquet. Il va vous rabattre votre caquet. D'accord. Petit jeu de mots aussi. Quelque chose de bien. Eh oui, Mario. Et du coup, combat de boss. Et le vrai combat de boss, du coup, c'est le vrai. C'est encore plus de là. Ça va être. C'est au-delà de l'espile, hein, je vous le dis. C'est au-delà de l'espile. Admirez un peu mon arsenal. 12 crayons de couleur prêts à barbouiller vos corps de papier. On n'avait pas besoin de ce commentaire aussi, barbouiller. On n'avait pas besoin de ce jeu de mots. Ah oui, effectivement, je m'en souvenais plus de ça. Utiliser les flèches. Ah bah oui, je m'en souvenais plus. Oh, 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 oula, attention. Cible verrouillée. Ce cercle de pouvoir ne brille pas. On dirait qu'il est éteint. Tiens, ça aussi, c'est nouveau. Je n'avais jamais vu de panneau comme ça. On dirait qu'une sorte d'interrupteur permettra d'activer quelque chose. Oh, j'avais oublié, d'accord. Donc du coup, il faut impérativement faire ça. Faire ça. Tu fais ça, tout simplement. J'espère que ça va être bon. Tu fais ça. Tu fais ça. Je sais pas quel côté on peut l'attaquer en fait. Il va pas être prioritaire normalement. Bon, on va tenter. Déjà on a la lettre. Évitez les panneaux avec des viseurs pour vous faufiler derrière la boîte et frapper au marteau sur le gouvernail. Oui, c'est ce que je pensais en fait. C'était logique pour moi. Voilà, et tac 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 tac. Et du coup on débloque, voilà, ça. Alors ça va nous permettre de faire pas mal de choses à mon avis. Ils ont tous atterri à côté. Non mais s'ils sont parfaits, c'est que les cibles étaient mal placées. Et du coup, quel est le mieux en fait là? Pour un boss de tel... Bah pour un boss comme ça, on peut se permettre, non? Le marteau brillant. Allez, pour les ennemis proches. Non, pour les ennemis. Adapté aux ennemis à pic. Oh, allez, bon. On s'est vraiment équipé, donc on y aller, sachant que on y aller. Voilà, boum. Ah d'accord. Ah oui, et du coup on va pouvoir. Non, non, le couvercle est fermé et je peux pas arrêter la mise à feu de mes missiles. Oh oui, oh putain. Oh putain, oh formidable, les missiles lui ont explosé dans la bouche. On dirait que c'est son point faible, ça lui apprendra à l'ouvrir tout le temps. Ah, et du coup, on va pouvoir sauter dedans, c'est ça? Ah, attendez. Ok. Ok. Ensuite. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Tac. Tac, tac. Ok. Après, on fait ça. Voilà. Après, on fait ça. Attendez, je crois que j'ai fait une connerie. Non, j'ai pas fait de connerie. Alors, à mon avis, celui-là, ce sera pour le final. Donc, normalement, on l'a. Enfin, voilà. Vous m'avez compris. Oh là. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je suis désolé, je suis un petit peu. Alors, par contre, on va du coup garder le marteau brillant. On va pas l'utiliser tout le temps. On va y aller simplement. Oh, peut-être avec le bot brillant. Bon, écoutez, on va voir ce que ça fait. Et on peut refaire bot, on va faire un des bots classiques, voilà. On peut faire deux actions, donc. Bien. Et du coup, encore. Enfin, je connais pas du tout la hitbox, en fait, donc c'est pas évident. C'est bon, on gère les boss. Comment ça gère? Bon, c'est parce que c'est le premier. Ouh, 13, bon, ça va. Comme tu le vois, j'ai tendance à avoir la critique mordante. Ah, recharge de crayon, j'imagine. C'est n'importe quoi. C'est quoi ces boss Nintendo? Y'a que Nintendo qui prend ça. Peut-être quoi le prochain Paper Mario? On va avoir on va avoir des télécommandes? Pourquoi pas, hein? Recharge des télécommandes de la télé. Allez, boum. C'est quoi Nintendo?
Rechargement terminé. Et j'en ai encore plein d'autres du même style en réserve. Bon. Du coup, là, on va le fermer derrière. Donc, du coup, là, il faut gérer. Ok. Plusieurs cibles. Me les mets pas sur le dernier. Ils me l'ont mis sur le dernier. Non, mais finalement, c'est pas. C'est... Voilà. Comme ça, au moins, tu viens. Tu viens. Tu fais juste un tour. Voilà. Non, là, là, ça va directement sur le truc. Donc. Là, il faut faire en sorte de. Faire en sorte simplement de créer. De... Ah oui, oui, oui. Ah, d'accord. En fait, les cibles se déplacent pas. Ah, ok, effectivement. Ça va poser un petit souci. Donc, du coup, on va. On va anticiper. Oh, hein, autant. Ah, mais non, du coup, il faut aller derrière lui. Bah oui. Donc, du coup, bah, j'ai fait le con. J'ai fait le con parce que, du coup, j'ai usé ça. Alors que c'était utile. Ah non, mais non, qu'est-ce que je fais? C'est tac, tac, tac. Après, tu fais. Il faut aller derrière lui, donc c'est. Tac. Tac. Oui. Et logiquement, hein, il faut que j'ai confiance en moi, c'est un truc de dingue. C'est un jeu où t'as pas, dès que t'as pas la confiance, ça te pourrit. Voilà, comme ça tu récupères le cœur en même temps. C'est un jeu, si t'as pas, t'as aucune confiance en toi, tu t'es pas bien. Cible primaire, oui. C'est pour ça que c'est dur. Parce qu'il faut vraiment avoir la confiance en soi, quoi. Et moi, de base, j'ai. C'est vrai que de pouvoir activer de base, je l'ai pas du tout la confiance en soi. Hein, confiance. Boum! Et du coup, logiquement, il va subir quelques dégâts vu que. Allez. Tour de l'ennemi. Voilà, il prend cher, c'est parfait, c'est ce que je veux. Alors, il a pas baissé de fou en vie, mais par contre, on va pouvoir lui faire du mal. Alors, du coup. Autant placer. Ok. Comme ça, on crée la plateforme. On. Et après, il suffit juste tout simplement. Alors là, on va l'attaquer de côté. Je sais pas si c'est le plus efficace. Mais écoutez, on le tente. On le tente. Voilà. Et du coup, on, tac, tac. Voilà. Je sais pas si c'est le plus efficace, mais je pense que oui. Ça peut être efficace. Et là, par contre, le marteau servira à rien. Là, il faut vraiment sauter. Parce que ça fait plusieurs dégâts de suite. Donc là, il faut bien. Ah, je connais pas du tout la hitbox, quoi. La hitbox, c'est horrible. En fait, faut bien être au centre parce que quand t'es au centre en fait de lui, tu peux l'achever, tu peux lui faire mal plusieurs fois en fait. Pouh, tout le monde se prend pour un expert en art. Je te laisserai pas traiter mon travail avec mépris. Le moment est venu de relever mon chef-d'œuvre. Voici devant tes yeux ébahi le barrier arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh mon dieu. D'ailleurs, il est mid-life, hein. Oh putain, d'accord, oula. Attention. J'imagine que ça va faire mal si on est devant. Donc il faut impérativement fermer sa boîte. Sa boîte à camembert, c'était pas du tout prévu. Ah, donc du coup, en fait, comme ça. Oui, donc du coup, oui, tu gardes. Il faut garder. Comme ça, tu sélectionnes. Il faut toujours être derrière. Donc ça serait bien que on puisse aller derrière. Voilà, lui, comme ça. Si on peut aller un cran derrière lui, ça serait bien. Mais le problème, c'est que la flèche, du coup, va nous perturber. Ok, après on fait ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Il faut arriver à prendre le troisième cercle. On va y arriver. Troisième cercle, voilà. Merde. Bon, écoutez. On a échoué, à mon avis, mais on va récupérer la vie. J'ai vraiment pas su garder mes. Ouais, j'ai totalement échoué. C'est les bras, attraper les crayons de face avec les bras multipliés en cas d'attaque. Pareil, calmement. Ok. Ah, du coup. Oui, du coup, tu retrouves ça rien. J'aurais dû mettre un truc ici. En fait, je sais pas si on peut le faire aussi, ce côté, quoi. Briller arc-en-ciel. Ça va, on prend pas très cher non plus. Recharge. Ah, il répète l'opération. Ah, d'accord.
Donc c'est ça qui va être peut-être un poil plus chiant, mais normalement on devrait pas avoir de... Là il faut vraiment que j'ai confiance en moi en fait. Le problème c'est vraiment, c'est un jeu, t'as pas la confiance en toi, t'es une merde en fait. T'es une merde. Si t'as zéro confiance en toi, t'es une merde. Tac. Bon du coup, on va mettre celle-là, toujours. Ça, au moins, tu peux mettre ça là. Voilà. Et normalement, tu pourras mettre. Est-ce que ça marche si, par exemple, ça va pile? Je vais tenter un truc. J'essaie d'apprendre en même temps les mécaniques. Ah non, mais non. Attendez, je panique. Ah, attendez, de face. Donc est-ce que normalement on pourrait faire ça? Je tente un truc. Je tente. De toute façon, vraiment, il faut bien tenter. Ok, d'accord. Je tente. Est-ce que ça marche? Je tente, hein, écoutez. Tour de Mario. Est-ce qu'on peut le fermer par devant? Bras multipliés. Cercle du pouvoir activé. Oh oui! Oh oui! Planté! Oh yes! Ça devrait faire mal. Rouer, allez, plante. Oh, on lui fait tellement mal. Oh, mais c'est ça qu'il fallait faire, les gens. Mais putain, mais on fait tellement mal. Mais j'apprends des choses en combat, c'est juste énorme. Mais putain, on a mis. Oh putain, on a galéré moins que les spills alors que j'ai trouvé les spills encore plus durs. Parce qu'en fait, je commence à m'habituer en fait au système de combat. J'ai eu beaucoup de mal, c'est pour ça. Et vous avez vu la dernière fois, j'ai tourné trop d'épisodes à la suite. Le problème c'était ça, 11 vidéos, 11 épisodes que j'ai tourné à la suite. Les amis, tu peux pas te reposer, on peut plus se reposer. Des combats, c'est, on peut plus les réfléchir. Là il faut, c'est un truc où il faut réfléchir et gagner surtout une confiance en soi. Alors en plus quand t'es crevé, t'as pas la confiance en toi, c'est un jeu que tu peux pas réussir, c'est un truc de dingue. Donc du coup, ben là honnêtement, j'ai eu la confiance extrême. Enfin, confiance, j'ai tenté de dépasser mes efforts, mais t'as dépassé ce que j'aurais pu... ce qui m'aurait pu causer du tort. Et voilà, du coup, ben regardez, le résultat, on l'a niqué, on l'a défoncé. Oh non, je crois que c'est la fin. Je ne vois plus les couleurs. Tout devient gris. Crayon gris, je pense que vous l'avez trouvé, celle-là, de référence aussi. Oh, pas mal l'effet d'explosion. Eh oui. Bah écoutez, on va l'activer et après, vu le temps, on s'arrêtera là. Regarde, un cercle de pouvoir vient d'apparaître. S'il était gardé par cette horrible boîte de crayons, c'est qu'il doit être une importance capitale. Mon dieu. Ah par contre, est-ce qu'il y a un taux? Mais ta gueule, je veux voir le taux. Oh, putain. Bah écoutez, on n'a pas le choix. Et bah, boum. Et bah voilà, le serpentin rouge est déverrouillé. Bon ben voilà, du coup ça va débloquer plein de nouvelles possibilités, ça veut dire qu'on va pouvoir se rendre à la maison du Toad tout simplement et aller se rendre du coup dans le mont émerveille, je crois que c'est ça, je sais plus c'est quoi. Et du coup, ouais, et voilà, boum. Or ça améliore notre... Pour The Ruby, bravo Mario. Bravo moi, on forme vraiment une bonne équipe tous les deux, hein, oui. Eh oui. Tiens, on dirait que ton sac de confettis s'est même agrandi pour fêter ça. Et bon, maintenant, continuerons sur cette lancée et occupons-nous des autres serpentins. C'était lequel le suivant sur ta liste déjà? Le bleu. Ah oui, le bleu au sommet de cette montagne rouge. C'est presque dommage car il faut quand même avouer que ça fait joli dans le paysage, mais bon. Et du coup, sauvegarde. Alors... On s'arrêtera à Toadville parce qu'on va faire un petit détour. On va faire un bon petit détour tout simplement à Toadville. On fera la prochaine fois le truc. Télescope et série 10 pièces. On peut vraiment voir un truc dans le télescope. Oh, c'est beau. Oui, et ça fait quoi? On a payé 10 pièces pour ça? Non, mais tu te fous de ma gueule? Non, mais honnêtement. Non, mais qu'on me le dise. Hein. Oh, eh. Ah ah! Je t'ai eu, sacré pan! Et j'imagine que c'est le dernier tour. J'en ai marre d'être forcé à regarder les choses pour le mauvais bout de la. Non,
l'orginette. Maintenant, c'est à mon tour de profiter de la vue. Oui, tous les toads. Tu veux pas aller utiliser l'autre plutôt, il est libre. Oui, non, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux. Non. Bon, bah écoutez les amis, on va quand même sauvegarder avant sur un vrai bloc de sauvegarde. Sachant qu'on a du coup le 100% de la tour de Belvédère, en tout cas au niveau des toads, il nous manque juste le mini trésor à trouver. On peut voir du coup dans les infos, voilà, regardez ce qui est ajouté dans le petit truc rouge. Nous avons enfin du coup débloqué la petite étoile rouge, donc qui permet tout simplement de dire que nous avons battu le serpentin rouge. En tout cas, on l'a déroulé. On a beaucoup de points d'autres que nous devons aller dépenser. Au niveau des infos d'autres, la carte, bon, la carte, ça reste la carte. Il faut évidemment qu'on retourne sur les anciens niveaux. En tout cas sur les niveaux où il y avait le serpentin rouge pour pouvoir un petit peu finir en tout cas le 100%. Pour les armes, ça a été pas très utile finalement. Je pensais que c'était un petit peu plus utile que ça. Au niveau d'accessoires, ça a été bien utile. Par contre, surtout au niveau des... Voilà, par exemple, voilà, augmente un peu le temps imparti pour disposer les ennemis en combat. Ça a été très utile. Réduit un peu les quantités de dégâts subis au combat, ça aussi. Et ça aussi, ça a été... En fait, tout a été vraiment très utile. En termes d'objets, bon, on a eu ces 0 objets. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Pour savoir si... Est-ce que... J'arrivais quand même bien à gérer le jeu ou pas. Finalement, je me dis pas pro, hein, bien sûr. Mais en tout cas, je suis content parce que j'arrive quand même bien à me mettre dans le jeu. On va dire que je suis pas très nul. Je suis pas fort non plus. Mais je suis entre les deux et je suis content. C'est ce que je voulais. Je voulais être fort aussi. Je veux être fort. Mais en tout cas, j'ai réussi à être ni pas nul. Ou en tout cas, pas faible. J'ai réussi à vraiment garder... un truc normal, enfin une équité quoi. Donc ça me rassure. Ouh, tous les dessins de cette effroyable boîte de crayons ont disparu. Voilà qui pose un dilemme moral. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'apprécie ces œuvres, même si c'est un horrible personnage? Quel dommage que nous n'ayons pas le temps de nous attarder sur cette question qui aurait bien mérité d'être creusée. Donc le Toad, j'imagine que... Normalement, je suis censé te dire bienvenue à l'observatoire. J'espère que tu trouveras cette jolie vue à ton goût. Techniquement, rien ne m'empêche de le faire et rien ne t'empêche de trouver la vue jolie. Mais voilà, il y a un truc qui me chiffonne. Ok. Ouf. Ok. Du coup, on peut pas ouvrir la porte justement en fait pour pouvoir partir parce que. Ouais, ouais, s'ouvrir dans l'autre sens. Mais bien sûr, s'ouvrir dans l'autre sens. Faites pas être débile non plus quand même. Comme ça, on va sauvegarder et puis après, on va s'arrêter là. Et comme ça, moi, la prochaine fois, je vais quand même enregistrer le prochain épisode. Comme ça, moi, la prochaine fois, on pourra partir en direction tout simplement du Mont et Merveille. Comme ça, en même temps, ça me permettra tout simplement de faire une bonne transition. Tout simplement entre. Il nous manque quand même le mini trésor que je sais toujours pas où il est. Sachant que, en termes de Toad, on en a beaucoup sauvé. Mais le problème, c'est que ils veulent pas se motiver, je comprends pas. Non, mais parle au Toad. Parle au Toad quand même. Mais ils veulent pas se motiver pour pouvoir réparer l'ascenseur ou quoi. Sachant que du coup, ils devraient être contents vu que l'affaire a repris, j'imagine. C'est toujours un peu le désordre ici, ouais, bah oui. Donc je comprends pas, honnêtement. On n'a pas trouvé de mini trésor. J'attends le petit Ling. Ça serait bien. Oh, par contre, lui, il a repris ses fonctions. Il va falloir tout nettoyer en fond en comble. En fond en comble et ne pas lésiner sur le détergent. Quand je vois tout ce bazar nettoyé, oui. Donc, on peut pas l'aider à nettoyer. Par exemple, il n'y a pas un truc rangé. Non, il n'y a pas de truc rangé, c'est dommage. Il y a un truc qui me chiffonne aussi, comme elle dirait elle. Attends, et si on reste longtemps dans le... Vas-y, referme-toi. On peut pas. Je me suis dit, peut-être il y aurait un truc. Par contre... Non, il n'y a rien du tout. C'est mystérieux tout ça. On n'a pas trouvé le mini trésor. On verra en tout cas quand on aura l'accessoire, mais pour le moment, on l'a pas trouvé. Et ça me tue le pin un petit peu. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, du coup, on va se rendre tout en bas. Et du coup, tout en bas, voilà. Tu reprends quand tes fonctions, toi? Parce qu'on veut vraiment te parler. Oui, ils sont en fait réparer. Je vais pouvoir me remettre. Oui. Non, mais. L'ascenseur est en service. Prenez l'escalier. Oui, mais si vous réparez pas, les gars. Si vous réparez rien, on va pas s'en sortir, hein.
C'est clair et net, hein, je vous le dis. Bon, les amis, du coup, c'est parfait. On va pouvoir s'arrêter là. On a le petit point de sauvegarde. Donc, du coup, stop. Voilà. On bouge pas. J'aimerais juste atteindre quand même un point de sauvegarde avant toute chose. Je crois qu'il y en avait un quelque part par là. Voilà, là. Parfait. Bon, du coup, comme ça, au moins, la prochaine fois, on tente. Alors, on prendra, enfin, on ira vers le périphérique, on finira comme ça le Mont Belvédère. Mais la prochaine fois, on ira évidemment surtout à la prairie Picotin, je crois que c'est ça. Picotin. Parce que là-bas, il y avait aussi une maison taude jaune, si je me souviens sûrement, dans lequel derrière, il y avait un coffre, j'imagine, qui contient un mini trésor. Donc, du coup, logiquement, ça sera du coup le dernier coffre à trouver pour le 100% du mini trésor. Il nous manque quand même quelques blocs à frapper. Alors, peut-être les derniers blocs à frapper seront justement vers la maison du toad. Et il nous manque un dernier toad à sauver, sachant que ça dling vers le Saint-Pantin rouge. Donc, du coup, logiquement, on devrait pas avoir de soucis pour pouvoir finir ce niveau à 100%. Et puis après, on ira tout simplement en direction tout simplement du Toadville pour pouvoir tout simplement récupérer, déjà voir un petit peu les nouveautés en termes de si on peut acheter un nouvel accessoire. D'ailleurs, on ira faire un petit tour aussi vers l'accessoiriste à Picotin, savoir si est-ce qu'il a, on peut peut-être acheter quelque chose, et même au niveau des boutiques, est-ce qu'on peut peut-être acheter quelque chose. Et on fera un détour à Toadville pour savoir si est-ce que évidemment on peut acheter quelque chose, et évidemment un gros détour dans le musée parce que nous avons plein de choses à voir. Donc du coup il faut impérativement que nous nous rendons au musée, sachant que au cas où, alors ça je l'ai pas vu la dernière fois mais c'est important de le savoir, voilà. Alors ouverture de la boutique d'accessoires, on était d'accord, exposition mini trésor, ouverture de labo, exposition, voilà, ça on savait pas, exposition du dessin de poisson, les dessins des poissons que vous avez pêchés, donc on avait pêché des petits chips, sont exposés au musée champignons à Toadville. Donc voilà, c'est pour ça que ça me semblait, enfin, donc du coup il faudra aller voir un petit peu tout ça. Rallonge miniateur prêt à servir un combat, rendez-vous au labo de combat de Toadville pour découvrir une nouvelle fonction d'aide au combat. Et du coup voilà, donc on ira faire tout ça, sachant qu'on a 18 points de toad à dépenser. On en a quand même beaucoup, hein. On a quand même beaucoup, mais voilà. Donc, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 15. Moi, je vais vous dire honnêtement, j'enregistre l'épisode numéro 15. Comme ça, moi, je suis tranquille. Et après, normalement, j'enregistre plus rien parce que tout dans les prochains épisodes, je vais réussir à pouvoir tout faire. Tout ce que je veux faire avant de partir dans mon Evermeil, mais j'en suis pas sûr. Donc du coup, pour pouvoir tout simplement nous diriger sur une deuxième partie. Donc j'imagine que du coup, ça va être une nouvelle carte qu'on va avoir, enfin une autre carte tout aussi gros que la carte que nous avons, avec plusieurs petits points, enfin plusieurs petits niveaux, genre par exemple mon Evermeil, peut-être un mont Picotin, bah, j'imagine, mais plusieurs niveaux. Donc du coup, avec ses propres toads, ses propres blocs, ses propres mini trésors, etc. Donc il faudra être très attentif dans deux épisodes, parce que la prochaine fois, c'est uniquement, on se concentre uniquement sur le ce qu'on a pu débloquer avec le Serpentin Rouge, plus, je dis bien plus, à Toadville. Donc voilà, et voir si on peut acheter des choses. Merci de m'avoir suivi, et on se dit à la prochaine pour l'épisode 15. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace. Je sens qu'il se passe quelque chose, attention les filles, ça va swinguer. Oh, I'm gonna get you.